bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Hamster Combat, les choses se précisent. Et alors, le listing est pour le 26 voilà, septembre, mais d'ores et déjà, les plateformes déjà sur lesquelles le jeton HMSTR sera listé. Alors, Binance, le plus grand de tous les échangeurs centralisés, voilà. Alors, a fait cette annonce-là que Hamster Combat sera listé là-bas. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant d'entamer la capsule du jour, nous allons parler rapidement de notre partenaire qui est Quenex. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes deux en un. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi, voilà, du staking. Vous avez aussi des produits comme le Lotto Invest. Sans oublier aussi, voilà, que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un tant soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Quenex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'un million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce au produit qu'on appelle Quenex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec voilà, la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne voilà, vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur voilà, leurs fonds et l'assurance que leurs fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Quenex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après notre partenaire Quenex, nous attendons maintenant la capsule du jour. Alors, Binance va lister Hamster Combat dans son programme de, voilà, de lancement de nouveaux projets qu'on appelle le Launch Pool. Alors, le Launch Pool va lister voilà, le jeton Hamster Combat. Voilà, donc c'est l'annonce qui a été faite et donc ça va se passer sur le Launch Pool et aussi le Super Earn, voilà, qui est aussi un autre produit de Binance. Et donc cela va se faire le 26, mais bien avant le 26, 3 jours avant. Alors ceux qui veulent participer au Launch Pool, voilà, pourront verrouiller les BNB et aussi le FD, USD. Voilà, ils pourront le verrouiller le 23, c'est-à-dire 3 jours avant le 26. Vous pouvez aller verrouiller vos BNB et le FD, USD. Alors, cela vous permettra d'avoir des jetons Hamster Combat. Voilà, dans le Launch Pool. Voilà ce qui a été annoncé voilà, par le leader du marché des exchanges centralisés Binance. Alors, notons que dans la tokenomie de Hamster Combat, nous avons 100 milliards de jetons. Voilà, jusqu'à preuve de changement, il y a 100 milliards de jetons pour la tokenomie, mais 3% ont été alloués à Binance pour ce Launch Pool et aussi le Super Earn. Cela représente 3 milliards de jetons qui seront alloués à ce programme voilà, de Binance. L'un dans l'autre, les utilisateurs de Hamster Combat qui veulent un temps soit peu avant déjà même de recevoir les jetons le 26 pourront un temps soit peu bénéficier voilà, en avance sur le jeton Hamster Combat sur la plateforme Binance. L'un dans l'autre aussi, sachez déjà que pour ceux qui ne le savent pas, le 26 Hamster Combat a déjà fait l'annonce du airdrop, c'est-à-dire que tous les pièces que vous avez dans vos différents portefeuilles sont considérées comme des points. Et ces points-là vont vous permettre d'avoir alors le token voilà, du jeu qui est le HMST
TR. Et donc, c'est ce token que nous allons avoir. Maintenant, quelle quantité nous allons avoir? Ça, c'est la question à 100$. Pourquoi? Parce que personne ne sait quels sont les critères de sélection. Est-ce que c'est les clés que nous avons cumulées qui seront beaucoup plus en compte? Est-ce que c'est les différents points, voilà, par rapport au clic, les différentes pièces accumulées, c'est ce qui sera pris en compte? C'est le temps de jeu, dans, voilà, les heures qu'on a passées, voilà, dans le jeu, l'activité. Alors, c'est ce qui va être pris en compte. L'un dans l'autre, les critères n'ont pas été très, très clairs, mais on nous a simplement dit que, voilà, nous pouvons jouer tous les jeux qui, simplement, il faut éviter les doubles comptes, les triples comptes, les quadruples comptes, et aussi d'éviter aussi les robots, que, parce que ils vont, un temps soit peu, vérifier tout ceci. Et voilà, dernièrement, nous avons fait une vidéo où Hamster Combat a envoyé aussi une carte, et cette carte, lorsqu'elle est activée dans votre compte, cela suppose que votre compte a été jugé un compte malveillant, un compte qui triche. Et donc, on a fait cette vidéo là. Donc, on vous la présente ici. Si vous voyez que la carte, elle est activée, elle a une couleur dans votre compte, ça veut dire que ce compte a été jugé, voilà, un compte qui ne va pas profiter de ce airdrop. Mais si la carte est neutre, voilà, toute grise, alors vous allez pouvoir participer au airdrop. Voilà, simplement ce qu'il faut comprendre. Gris, tu participes. Avec couleur, tu ne participes pas. Tout simplement, de façon terre à terre. L'un dans l'autre, le lance-parle de Binance va débuter à partir du 23 à 0h00 UTC. Et donc, ceux qui veulent y participer, alors Binance donne cette information. Voilà. Et concernant, voilà, comment on appelle Hamster Combat, alors l'heure n'a pas été donnée, mais on sait simplement que c'est le 26 que les distributions vont commencer. Et combien les gens vont recevoir par portefeuille, personne ne sait, mais nous savons simplement qu'il y a autour de 300 millions d'utilisateurs. C'est le jeu le plus viral de son époque. Il a même dépassé son prédécesseur Notcoin, et donc qui était l'initiateur des Tap to Earn. Aujourd'hui, Hamster Combat s'impose aujourd'hui comme le leader des Tap to Earn. Et ce jeu, il faut le dire, il est beaucoup attendu. Ce airdrop, il est beaucoup attendu. Pourquoi? Parce que, voilà, Hamster Combat a dit qu'ils vont faire le plus grand largage de tous les temps au niveau des crypto-monnaies. Quand nous savons que le plus grand largage a été fait par Uniswap, il y a plus de 6 milliards de dollars qui ont été distribués aux différents utilisateurs d'Uniswap en son temps. Est-ce que Hamster Combat ira autour de 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards? On ne sait pas, mais l'un dans l'autre, on sait que les différents publicitaires donnent beaucoup d'argent à Hamster Combat. Ils ont même refusé des partenariats dans ce sens. Cela suppose qu'ils se sentent prêts financièrement. Et si ce jeu doit continuer, parce que Hamster Combat dit atteindre l'objectif de 1 milliard d'utilisateurs d'ici les deux prochaines années, parce qu'il y aura un deuxième airdrop qui va être fait. Mais il faut déjà que le premier airdrop puisse être assez intéressant pour le temps passé dans le jeu, pour que les gens puissent continuer à jouer le jeu après le premier airdrop, pour prétendre attendre le deuxième airdrop l'un dans l'autre. Alors tout le monde est suspendu, voilà, aux lèvres des hamsters actuellement. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. À partir du 26, voilà, nous allons pouvoir faire le point ici pour dire ce que chacun a eu. Mais notons déjà que ceux qui ont participé, voilà, au airdrop de Simon 4 que nous avons fait ici dernièrement, la plupart des gens ont participé. Même si tu n'as rien eu, au moins tu as eu au moins 10$ pour ceux qui ont participé. Il y en a qui ont eu 25$, il y en a qui ont eu 20$. En fait, la distribution qui avait été faite, il y avait une erreur que Binance avait fait en faisant les captures le 24 au lieu du 29. Alors, ça a été récupéré dans les comptes et une autre nouvelle distribution a été faite. Moi-même, j'ai vu encore que mes pièces ont augmenté. Et l'un dans l'autre, nous avons carrément profité, voilà, à deux niveaux sur la plateforme centralisée et en même temps sur la plateforme Press Wallet. On a participé, on a eu dans les deux côtés. L'un dans lui, on a eu pris la loco deux fois. Alors vous, à votre niveau, vous avez eu combien? Est-ce que vous avez eu au moins votre prix dans loco? L'un dans l'autre, c'est une pièce aussi qui est en train de monter actuellement. Et je sais, la plupart du temps, quand ces gens
de airdrop sont faits. La plupart du temps, la pièce baisse. Mais en tout cas, il y a un engouement autour de cette pièce. Alors, de comment on appelle Simon 4 qui est en train de monter aussi en flèche actuellement. L'un dans l'autre aussi, c'est une affaire à suivre. La période des airdrops, parce que le marché est amoureux, ce genre de choses aussi, ça galvanise un peu les utilisateurs pour les mettre un peu, voilà, en haleine, déjà par rapport à ce qui arrive de plus grand pour le bull market. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Pour la prochaine édition des formations physiques, il s'agit de celle d'Abidjan le 2 novembre prochain à la Bourse du Travail de 13 juillet. Vous allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Ce sera la 12e édition, je précise. Et cette édition sera une édition de taille parce que déjà nous serons, en tout cas, à l'aube, voilà, du bull market. L'un dans l'autre, les stratégies, quelles sont les stratégies, les pépites. Quels sont alors les rudiments, les indicateurs à mettre en place pour un temps soit peu tirer profit de ce bull market? Toutes ces informations seront données au cours de cette formation. Et donc, ça, c'est valable pour tous ceux qui, en tout cas, veulent tirer profit du bull market. Et donc, aussi, au-delà de ça, aussi, nous avons une formation dédiée aussi dans quelques jours, au niveau aussi, toujours d'Abidjan. Et ça, c'est avec le groupe CIA et c'est prévu le 21 septembre 2024. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.